J'ai appelé Tarek, j'ai laissé un message. Qui, Tarek? J'ai appelé Tarek pour le... parce qu'il m'a appelé hier soir, alors. Ah oui? J'ai laissé un message, je venais, on a besoin d'aide, s'il veut pas venir... Non, il veut pas. Il a peur, il pense que le Palestinien qui vient ici va être raté ou quelque chose. Ok, toi t'as la pétition? Oui. Ok, ben toi tu peux faire signer les gens, moi je tiens la bannière. Mais c'est rare qu'il y a des... que je raconte des juifs. Oui, juste une seconde. J'ai enlevé ça parce que ça j'ai pas fait... J'ai peur que tes pieds seront froids. Non, j'ai chaud. Ok. Pas une grosse neige là. Ouais. J'ai apporté du café si jamais on a pas. Oh, wow! Incroyable, quel luxe! Eh oui! Ici au coin. Le café, on n'a pas le droit d'aller là. Non! Je vais vraiment attacher bien mon truc. Parce que toi, tu dois être libre pour te faire parler aux gens. Parce que ça s'adresse aux juifs, à la communauté juive. Je n'ai pas eu une opportunité encore pour demander une signature. C'est très rare. Oui, Mais ça va montrer. Ça va montrer qu'il y a une pétition au moins. Il y a déjà 9 personnes qui ont signé. Dans l'internet. Oui. Mais il y a un commentaire, je ne sais pas si c'est bon le commentaire, en tout cas. Oh, j'ai pas vu des commentaires encore. C'est juste un commentaire, mais bon. Ok. Toi, tu t'adresses aux gens. Mais mes bras commencent à voir. Ah oui. Ok, ici c'est la pétition. J'avais un drapeau palestinien. Est-ce que tu as ta pancarte? Oui, c'était... Oh oui, je l'ai attaché, j'ai fait une attache en arrière. Oh, maintenant, c'est attaché en haut, là. Ok. Peux-tu me donner un drapeau palestinien? J'en ai deux, mais juste un. Ou juste le drapeau. Oh, mon bras fait mal encore. Ok. It's ok. Donc là, on est correct. Il y a un ami qui m'a demandé c'est où l'adresse, il l'a donné, mais je ne sais pas s'il va l'avoir. Et puis, tu sais qu'il y a quelque chose devant le consulat américain ce soir à 22h30, mon amie juive, Josie, elle m'a dit ça, devant le consulat américain ce soir à 22h30. Oh. Moi, j'aimerais ça y aller parce que c'est comme une vigile soir devant le consulat américain. Ouais. Si, mais c'est sûr que je vais aller manger avant. Non, c'est ça qui est important pour moi parce que je dois faire... un mouvement qui est un mouvement d'opposition interne par les Juifs, qui est complètement différent que le mouvement des Juifs en solidarité avec les Palestiniens. Oui, mais ça se peut qu'il y ait des Juifs là-bas? Oui, mais c'est trop, parce que je vais avoir très fatigué après 4 heures. Oh, mais tu peux me le donner? Moi, je vais le signer, faire signer par des Juifs. Oui, ah oui, je peux te donner une copie, c'est t'as ça. Aucune signature encore, mon Dieu. Non. À 12h30, il y a quelqu'un, un journaliste qui vient pour faire une interview. Alors cette fois-là, je vais le signer comme commencement de campagne. Okay. Là, tu es en train d'enregistrer, non? Oh oui, ça, oui. Toujours. Tu pourrais l'enregistrer quand c'est quelqu'un? Non, c'est pas toujours. Ok, bon, ben moi, je suis arrivé, il y a une heure. Oui, je viens de l'annoncer. Ça, j'ai réparé. Mais tu dois te repeinturer ça, parce que c'est décollé quand c'était attaché. Ce n'était pas assez sec. Mais les autres sont bien attachés avec le crazy glue. J'ai attaché des autres qui sont corrects maintenant. Moi, j'ai fait faire des bannières par Creatis. C'est dans mon coin sur Beaubier, proche de Vio. Ils ont un bon prix. Peut-être que ce serait une option. Mais tu leur dis que comment le faire, c'est quoi le mot, ben quelque chose qui ressemblerait, parce que c'est important d'avoir un... Je dis pas qu'il est pas bon, mais à un moment donné, peut-être qu'il va tout décoller, alors. Non, mais on peut faire une banderole avec une... Il y a une voiture. Oh. Je pense qu'il voulait lire le message, c'est ça? Avec un dessin en arrière, mais ça s'est pas fait encore. Ben, c'est pas pour maintenant. À un moment donné, si tu vois que le matériel, si tu peux avoir quelque chose de plus professionnel, ben, oui, mais on doit avoir c'est plus... C'est pas très cher, j'ai fait faire des manières là. Oui, mais on doit avoir plus de personnes pour le porter aussi. Regarde, ça. On a le poteau et moi.
Ok. Tu as un stylo pas loin? Un stylo? C'est okay. Ici. Okay. Attaché. Ok, je vais le lire. Ok, je vais le lire en anglais pour le. Oui, c'est quoi la pétition? Caméra. C'est une pétition juive pour un cessez-le-feu maintenant. Ok, Jewish petition for a ceasefire now. As Jewish persons, we are saying collectively that politicians of the Israel state do not represent us because we are not citizens of that state. And yet we are told to obey or be ostracized as if it were a dictatorship. We are concerned because these warmongers are speaking in our name to justify their genocide. We say not in our name. The mass murder of Palestinian families in Gaza is an ideological idea that is contrary to Jewish culture, including Judaism. We know that Palestinian lives matter too, because Jewish lives matter. We are saying ceasefire now and negotiate. We do not want your horror stories propagated to instill a Holocaust trauma. We don't want such Zionist fanatics spreading its fertilizer over real anti-Semites who are often Christian Zionist lobbyists. Furthermore, why should we accept to be vilified as responsible for such gross violations of international law, lacking a sense of humanity? We say no way, no war, no more. One Holocaust does not justify another. And then we're going to be signing this. It's in four languages, eh? Now I'm going to find the French version and read it in French. Bonjour. La vie des Palestiniens compte aussi. English. Not in our name. Palestinian lives matter too. I know. Okay. Pourquoi tu as une image en arrière? Je comprends pas. Parce que c'est recyclé. Est-ce que ça va être accepté? Ça va être correct pareil? Oui. Ok, parce que regarde, il y a des apparences. Peut-être que c'est propre. Attends. Bon, on est le 31 décembre devant le 51. Il y a du monde là-bas, regarde. 51. Va les voir. Not in our name. Palestinian lives matter too. Et voilà. Je dois rester ici. Oui, ça je peux. Mais on est en train de faire quelque chose ici. Okay, non, mais ça fait, si tu vois les points, tu vas signer. Ah, ça c'est Yiddish. Voilà Yiddish. Tu peux le lire? Espagnol, un peu, sous le français. Je pense que c'est ici, ouais. Ok, pétition juive, ça c'est le feu maintenant. What was that? Fou le camp. Quelque chose comme ça. Ok, pétition juive, ça c'est le feu maintenant. En tant que juifs, nous disons collectivement que les politiciens de l'État d'Israël ne nous représentent pas, car nous ne sommes pas citoyens de cet État. Et pourtant, on nous dit d'obéir et d'être, ou d'être ostracisés. Comme s'il agissait d'une dictature. Nous sommes consternés parce que ces belles